Les vedettes, c'est bien connu, il faut toujours les attendre. Johnny, le roi du rock'n'roll français, n'a pas manqué à la tradition. Hier au Touquet, pour le tournage du film qui complétera son spectacle, il avait bien sûr du retard. Et son arrivée en Jeep, c'était bien celle d'une star. Son costume, cuir et clous, pour jouer le rôle d'un chevalier des temps modernes, un chevalier qui frôlera la mort à plusieurs reprises. Un film rempli d'angoisse pour illustrer ses nouvelles chansons, mais aussi pour les besoins du spectacle. Là-bas, il y a moins de temps. C'est un détail de mise en scène qu'on a besoin pour ce moment-là du spectacle. Cela va donner le temps aux chanteurs de changer de costume. Mais plus qu'une nécessité pratique, ce film, c'est le moyen qu'a choisi Johnny Hallyday pour raconter une histoire, celle de l'apocalypse. Sur scène, il chantera la peur. Sur l'écran, on le verra chevalier chevauchant une moto, bardé de chrome et d'acier, entouré de mutants. Un spectacle mystique plein de violence. Je crois que ça plaît pas mal aux gens non plus, parce qu'il faut quand même voir tous les films, il y en a de plus en plus dans ce style-là, et puis tous ces films-là, quand on regarde les recettes, ce sont quand même les films qui marchent le mieux. Oui, c'est le désespoir qui marche en ce moment, mais c'est commercial alors, c'est pas une question commerciale, je crois que si, je crois que tout le monde a une certaine crainte de l'avenir. Vous la partagez Oui, comme tout le monde, je vois pas pourquoi moi je serais spécialement à part. Je veux dire, je crois que... Tout le monde a peur de la guerre atomique, tout le monde a peur de plein de choses. Et puis bon, ben, disons que ça fait partie de l'angoisse de la vie de tous les jours. Une angoisse quotidienne que Johnny Hallyday avoue partager. Mais il y aura tout de même des scènes d'amour dans ce film et des chansons plus gaies dans le spectacle. Témoin, la chanson qui devrait terminer le récital s'appelle « Le survivant ». C'est quand même une note d'espoir dans toute cette désespérance. Encore, encore.